Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un haul action ainsi qu'un tout petit haul nose. Voilà, donc on va commencer par action parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois vous montrer. Notamment, je ne sais pas si vous allez bien voir à cause du contre-jour. J'en ai deux. Donc, ce sont deux boîtes de rangement que j'ai trouvées. Ça fait partie des nouveautés de cette année. Voilà, donc celles-ci sont bleu mint. J'y en avais une rose que je voulais, mais j'étais trop petite pour l'attraper. Voilà. Donc, et dans ces boîtes, j'y ai déjà rangé plein de choses. Donc, dans les nouveautés, alors tout ça va être les stickers. Dans les nouveautés, j'ai trouvé celui-ci. Je le voulais en double, mais j'ai filé le double à ma pote. Et celui-là que je trouve magnifique. Les couleurs avec le bleu et tout, c'est pour. Voilà. Ensuite, alors attendez, parce qu'il y en a. Il y a des trucs, ça vient pas de chez Action. Je vous dirai d'où ça vient si vous voulez. Ensuite, dans ceux-là, donc toujours les stickers 3D, on a celui avec les cactus. Celui-là que j'ai trouvé trop beau. Avec les plumes et les indiens. Et celui-ci. Voilà, j'ai craqué mon slip, j'ai dit, je m'en fous, j'en prends. Ensuite, j'ai trouvé les stickers Ruben. C'est la première fois que je les trouve. Donc j'ai pris le seul que j'ai trouvé en fait avec les petits oiseaux. Ici, on a quelques phrases. Et sur le dernier, ce sont des frises. Voilà, donc Ruben avec cette petite chose-là. Petit bâtonnet. Dans le rayon de Pâques aussi, j'ai trouvé ces stickers là. Voilà, donc en fait derrière vous avez tous les designs qui sont dans le paquet. Donc c'est essentiellement des lapins et des papillons et des poussins, hein, forcément. Mais j'ai trouvé ça sympathique. Donc voilà le deuxième avec un petit cochon. Je vous montre le design. Voilà. Je les ai trouvés sympas. Donc à chaque fois les stickers, c'est toujours moins d'un euro. Ça varie entre 1 euro ou 69 centimes en fait. Allez. Ensuite, hop. Donc j'ai retrouvé ces planches de stickers là. Donc du coup j'en ai repris. Parce que certaines je les avais déjà, notamment celle-ci. Voilà. Celles-là sont déjà sorties. Celles-là, par contre, c'est la première fois que je les vois. Hop, je vous les mets dans ce sens-là, ce sera plus facile. Elles sont trop belles. Là, par contre, je crois qu'il m'en manque un. J'ai forcément fallait que je prenne celui qui avait un défaut. Donc celui et puis voilà, ces deux-là, ce sont des doublons des premiers. Ensuite, hop là. Alors celles-là, ce ne sont pas des stickers, ce sont des tatouages temporaires. Moi, je vais les quand même les utiliser en stickers. Mais c'est du Disney, donc ça m'intéressait. Pareil, j'ai trouvé les Puffy, stickers Puffy de Vaiana. Voilà, rayon enfant. Ah bah tiens, un que j'avais oublié, qui est plus pour cet été celui-là. Avec des glaces, des fruits et des fleurs. Donc, voilà pour les stickers Action. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. Hop. Je vais juste remettre tout ça dans ma jolie boîte que j'ai achetée parce que ma foi c'est fort sympathique. Concernant les stickers, si vous avez un Tati près de chez vous, juste pour vous dire, j'ai trouvé ceci à Tati. Donc ce sont des stickers Charmy Kitty, donc je ne les ai pas encore ouverts. Mais normalement vous avez 4 ou 5 planches, 4 planches à l'intérieur. Ainsi que, alors,
Ça, c'est du double. Voilà. Ainsi que celle-ci. Donc là, ce sont des stickers 3D. Et je les ai payés 19 centimes. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Autant en profiter. Donc là, en l'occurrence, c'est au Tati de Carcassonne. Alors, ensuite, on continue toujours chez Action. Alors, en ce moment, je suis en train de me faire des Happy Mail. Donc, du coup, ben, j'ai trouvé les fameux, les fameuses cartes tag, en forme de tag, que je mettrai dans mes Happy Mail pour remercier les gens. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ces... Alors, ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. C'est l'eau de ruban. Voilà, donc j'ai pris deux motifs différents. Chez les enfants, j'ai voulu tester ceci. Donc ce sont des feutres à double pointe. J'en ai testé un hier, c'est pas terrible. Donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'ai également trouvé fabric tape avec des petites pastèques. Ces petites décos en bois. Alors celle-ci... Oh, il y a trop de... J'ai trop de lumière. Donc celle-ci a marqué Handmade, Sunshine, So Happy, Made Ball, Buy, voilà, c'est que des petites choses comme ça. Alors dans les tampons, au niveau des nouveautés, enfin, encore une fois, c'est pour moi ce sont des nouveautés parce que je les avais jamais vues avant. Donc voilà, il y a ces fleurs-là, donc avec leur Handy, celle-ci. Et celle-ci avec un die arabesque. Hop, ça, ça vient pas d'ici. Hop. Ensuite, j'ai trouvé donc ces petites pochettes en organza. Donc j'ai pris du blanc, du bleu et du rose. Donc ça, c'est pour mes créations. Et ce que je cherchais absolument. Tadam ! Du papier transfert. Donc à chaque fois vous avez deux couleurs, là par exemple c'est argenté et bleu, donc là j'en ai pris trois parce que c'est des couleurs, mais mes couleurs de prédilection. Là vous avez donc du rose avec du bleu vert, j'en ai pris deux, et ici du cuivré avec du rose gold. Voilà, et je crois que c'était 67 centimes le transfert, sachant que ceux-là ce sont des transferts ruban. Donc en fait il vous faut utiliser de la colle pour pouvoir transférer le feuille. Donc ça pareil, dès que j'ai l'occasion, je vous refais une vidéo sur je vous ferai une vidéo sur ça, sur le foil et ses différentes techniques d'utilisation. Du coup bah, dans cette boîte j'avais aussi trouvé donc des petits nœuds à nose, voilà, couleur pastel, ainsi que des microbilles. Donc là vous voyez 75 centimes. Et ce trio de paillettes, donc voilà, chercher des sequins, des petites choses pour faire des shaker cards. Et bien j'ai trouvé. Voilà. Ainsi que, bon, ben ça je vous en... Ça pareil, c'est je vais utiliser ça avec la fuse, pochette, un porte-document. C'est pour pouvoir y ranger mes dies. Alors, c'est pas fini. Non, 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 c'est pas fini. Parce que là, vous avez vu que la partie, on va pas dire la partie immergée de l'iceberg, excusez-moi, mais presque. je vais finir avec Nose, comme ça au moins c'est fait, parce qu'il me reste que 3 articles. Donc j'ai trouvé ceci. Allez, au niveau de la lumière, vas-y, fais. En fait, c'est de l'adhésif repositionnable quadrillé. Forcément, vous ne verrez pas le quadrillage vu que mon appareil photo a décidé de ne pas faire les choses correctement. Allez, coco. Oh, punaise. Voilà. Donc, j'en ai trouvé deux à moins d'un euro. Donc, j'ai dit, bon, je vais tester, on verra bien. J'ai également trouvé ce lot de 12 feuilles. Donc là, pareil, voilà. Comme ceci, à 1,99€. Donc, et c'est de la collection Recollection. Hein. Donc bon, autant en profiter. Allez, on finit avec Action. Alors, dans la papeterie, donc j'ai repris
des feuilles de pour la plastifieuse. Mais j'ai également trouvé ceci. Voilà, un petit kit pour faire du hand lettering. Donc ce kit, il comprend quoi? Il comprend, je vais vous lire ce qu'il y a sur la boîte. Feutre à pointe fine, un stylo pinceau, une gomme, une règle, 5 étiquettes craft, un cahier à 5, 5 cartes postales double craft, 5 enveloppes craft, 5 cartes postales double blanches, 5 enveloppes blanches, 10 cartons blancs 15 par 15, 5 pochettes cadeaux craft et les instructions. Ça vaut 3,29€. Voilà. Donc ça, si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo à part sur ça, avec un petit unboxing et voir comment on peut s'en sortir. Ensuite, toujours en papeterie, j'ai refait le plein de souris collantes. Voilà, ces petites souris à 67 centimes. J'en ai pris 4. Le mois dernier, j'en ai pris 3 et je suis sur la troisième, donc j'en prends 4. Ensuite, j'ai trouvé les fameux petits paperclips, comme ça. Donc là, ce sont des roses bleues et noires. Et ici, j'ai les argentés, les blancs et les noirs. Voilà. Donc je suis contente. En plus, les petites jarres, on peut s'en servir pour autre chose après. Donc ça, c'est génial. Et pour finir, enfin pour finir avec ce que j'ai sous la main, j'ai trouvé les pompons. Voilà. Les fameux pompons Honda. Alors du coup, j'ai pris 3 paquets de bleus. Sachant que j'ai fait 2 actions. Hein. J'ai fait celui de Castelnaudary et celui de Carcassonne. À Carcassonne, j'ai trouvé celui-là. Et j'ai pris 3 paquets de noir marron. Voilà. Donc ça, c'est pour ce que j'ai là, sous la main. Sachant qu'à côté de ça, j'ai quand même acheté des... Ah, bah attendez, je vais vous les montrer. Donc, à faire. Hop là. On va prendre le second sac parce qu'après, bon là, c'est plus des achats pour la maison que j'ai fait. Puisque on va changer de canapé, du coup, je vais en profiter pour refaire la déco de mon appart, puisque là mon canapé est noir, sauf que ma déco à la base est grise et rose, donc du coup on va recevoir un canapé gris. Du coup, j'ai trouvé à Action, c'est cette de table rose. J'en ai pris 2 roses et 1 gris et 2 gris. Voilà, donc ils étaient à 82 et 99 centimes. J'ai également, ça je vous le montre, mais voilà, j'ai également trouvé des coussins. Je vais changer les petits coussins que j'ai sur mon canapé. Mais surtout, en fait, le canapé est livré avec 2 coussins gris. Et du coup, j'ai trouvé ces housses de coussins là en rose que je trouvais magnifique. Voilà. Et j'ai également trouvé une housse de couette. Je vous mets la photo juste maintenant. Donc cette housse de couette, je l'ai pris en 140 parce que c'était la seule qu'il y avait en 140. Vous voyez bien qu'au niveau de mon lit, c'est trop petit, mais bon, je vais m'en servir comme dessus de lit, tout simplement, parce que je la trouve trop belle. Voilà, voilà, donc c'est tout pour le haul Action. Je trouve que c'est déjà pas mal, la vidéo fait déjà 15 minutes. Quoi dire de plus? Rien de spécial, donc je vous ferai des petites vidéos par-ci par-là pour vous montrer l'utilisation de ces petits trucs-là. Pareil, je suis en train de créer un Happy Mail pour le mois de mars. Donc là, pareil, je vous ferai une vidéo Happy Mail. Il y en a une qui va arriver la courant de la semaine, j'attends juste que ma correspondante ait reçu son Happy Mail. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très vite.